Après 2 ans d'absence pour cause de service militaire et avant sa rentrée à Paris, Johnny Hallyday est venu prendre cet été au Kursaal de Stendre la température de sa popularité. Il y avait aussi, vous l'avez vu, Madame Johnny Hallyday, plus connue sous le nom de Sylvie Vartan. Le retour sur scène de Johnny Hallyday, c'est un peu la remise en jeu d'un titre. Johnny est un professionnel, il s'est préparé minutieusement, nous avons assisté à son ultime entraînement. Qu'est-ce que c'est pour vous être une vedette? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, être une vedette, c'est un métier comme un autre. Le mot vedette, c'est un métier, dans le fond, car y a des métiers qui se nomment impresario, d'autres qui se nomment mécanicien. Pour moi, vedette, c'est un métier. Comme chanteur, c'est un métier. Car un métier de chanteur et de vedette, ça, ce sont deux choses différentes. Mais qu'est-ce que vous pensez de toutes ces vedettes? En fait, on en fabrique au moins une par jour, à l'heure actuelle. Une par jour, non, quand même. Presque. C'est façon de parler. Je pense que tout ça, ça vient du disque. Mm-hmm. Ça vous paraît normal qu'on fabrique comme ça des gens, qu'on les lance? Non. Non, parce que je pense qu'avant de devenir une vedette, il faudrait quand même gagner ses galons de vedette sur scène, alors que maintenant, on gagne ses galons de vedette sur disque et pas sur scène. Et en général, la plupart des chanteurs qui arrivent, les gens, quand ils les voient arriver sur une scène, sont déçus, car ce qu'ils entendent sur disque et ce qu'ils voient sur scène, ce sont deux choses différentes. C'était très dur pour vous, de devenir vedette? Dur, non, sûrement que Charles Aznavour en a sûrement beaucoup plus bas avec moi. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai quand même travaillé sur scène avant de devenir vedette. J'ai quand même fait 3 ans de scène avant de faire du disque. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu de la chance? Oui, on a tous de la chance. Il faut la saisir au bon moment. Non, c'est pas une chance qu'il faut la saisir, c'est une question que ça vient tout seul. Si ça doit venir, ça vient. Si ça vient pas, ben... Est-ce que ça vous paraît normal d'être une vedette, de gagner beaucoup d'argent comme ça en une soirée? Oui. Absolument normal. Ça me paraît normal parce que je pense que s'il y a des gens qui viennent et qui payent pour me voir, je pense que c'est normal que je touche de l'argent. Vous n'avez pas l'impression parfois que c'est de l'argent vite gagné, relativement facilement? Absolument pas, pourquoi? Par rapport à d'autres métiers. Alors je pense que mon métier n'est pas moins dur que le vôtre, par exemple. Non, bien sûr. Enfin, on gagne nettement moins. Dites-moi, qu'est-ce que c'est... Et vous amenez moins de monde aussi. Peut-être. Sauf la télé, quand même. Vous regardez parfois la télévision? Oui, souvent, oui. Ah, qu'est-ce que vous aimez à la télévision? Moi, ce que j'aime surtout, ce sont les films. Les films? Oui.
Ou le reportage, ça dépend. Par exemple, je viens de regarder un reportage qu'a fait, qui était sur le Mexique. Mm-hmm. Documentaire, ça vous intéresse, hein, ça. Oui, ça m'intéresse. Oui. Par les pays. C'est un truc toujours. C'est ça, oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, être un jeune en 1965? Qu'est-ce que c'est être jeune? Bon, un jeune, c'est, je pense qu'il y a eu des jeunes à toutes les époques et que tous les jeunes à toutes les époques sont les mêmes. Ils aiment la musique de leur époque. Mais on dit souvent yéyé avec une petite nuance de mépris, je sais pas moi. C'est absolument faux. Un jeune aujourd'hui, il aime la musique. Aujourd'hui, c'est du rock. Avant la guerre, c'est du jazz. Avant, c'est du tango. Il n'y a que la mode qui change. Autrement, un jeune est toujours le même. Il aime toujours. C'est pareil. Toujours, oui, j'aime les mêmes choses. Et j'aime, je sais pas moi, s'intéresser à beaucoup de choses. Tout à l'heure, je vous ai observé à la répétition et j'ai eu l'impression que vous vouliez posséder votre public. Que vous vouliez vraiment le dominer, le conquérir par la force, en quelque sorte. Non, je ne cherche pas du tout à le dominer. Moi, je chante une musique de jeunes, je chante pour les jeunes qui aiment ce genre de musique. Et j'essaye de le faire le mieux que je peux pour les gens qui l'aiment. Le service militaire, est-ce qu'il était très dur? Est-ce que c'était une expérience intéressante? Ça dépend les jours, bien sûr. Il y a des jours c'était dur, des jours c'était... Les jours les moins durs, c'était les permissions. Et ça vous a apporté quelque chose? Ça m'a apporté beaucoup de choses, oui. Ça m'a apporté d'abord des camarades. Ça m'a permis de fréquenter une classe de société que je n'aurais peut-être pas fréquentée si je n'avais pas été à l'armée. Et c'était quand même relativement assez intéressant. Vous êtes jeune, bien sûr, et la question est peut-être mal posée, mal placée. Mais est-ce que vous avez des regrets? Des regrets de quoi? Je ne sais pas. Oh... Bien sûr, on a toujours des regrets dans la vie. Lesquels, par exemple? Vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose? Ben, je le regrette d'abord, bien sûr, de ne pas avoir connu mes parents. C'est toujours un regret. Surtout quand on arrive à avoir 22 ans, on se dit peut-être que j'aurais pu faire autre chose dans la vie. Quand je suis très content d'être chanteur. Ouais, d'accord. Ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais enfin, peut-être qu'il y a des choses que j'ai peut-être de manquer. Je ne sais pas ce que c'est que l'affection des parents. Peut-être que c'est formidable, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais voulu, je ne sais pas moi, habiter plus longtemps en Angleterre ou... Enfin, est-ce que vous avez l'impression d'être un homme fait déjà? On n'est jamais vraiment fait. On a peut-être l'impression toujours, mais plus on vieillit, plus on change mentalement. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? Ah oui, je pense. Moi, je sais déjà qu'avant d'entrer à l'armée, je pensais déjà tout autrement que maintenant. Alors je pense que dans 2 ans, ce sera à peu près pareil. Je pense vous avez une autre idée, une autre opinion sur les gens, sur les choses, sur la vie en général? D'ailleurs, vous savez que plus le temps avance, plus je connais mon métier, plus je connais les gens. Avant, je me méfiais beaucoup plus des gens parce que j'avais toujours l'impression qu'on voulait me rouler. J'étais pas très bien encore dans ma peau. Maintenant, je fais beaucoup plus confiance aux gens et je pense aussi que je m'aperçois très rapidement, si les gens sont sincères maintenant qu'avant. Qu'est-ce que vous pensez des croulants? Des croulants? Ouais, c'est ce qu'on appelle les croulants. Bon, je pense qu'il y a une époque pour tout le monde. Moi, je serai un croulant aussi. Dans combien de temps? Ça dépendra de ma mentalité quand j'aurai... Au fond, quel âge est-on un croulant? Il n'y a pas d'âge pour être un croulant. On peut être un croulant à 20 ans. Il suffit d'être jeune d'esprit. Johnny Hallyday est une idole, c'est incontestable, même si l'enthousiasme de bonne compagnie et du Kursaal de Stand ne ressemble en rien à la frénésie du Palais des Sports. Car voyez-vous, les blousons noirs sont devenus des copains. De Johnny, ils savent tout. Qu'il perd 2 kilos à chaque représentation, qu'il a réalisé un vieux rêve en achetant à Montfort-l'Amaury une vieille ferme transformée en ranch de luxe, qu'il gagne plus en une soirée qu'un travailleur en un an, mais comme l'écrit une jeune fille de 17 ans dans une revue de teenager, nous on s'en fiche qu'il soit milliardaire, je dirais même que dans un sens, je suis contente pour lui, cela fait râler les vieux. Pas tous les vieux à vrai dire, car le yéyé c'est aussi une industrie. 30 millions de disques vendus, 2 milliards de chiffres d'affaires, en France, 5 millions de jeunes de 13 à 19 ans, disposant de plus de liberté et surtout de 10 fois plus d'argent de poche qu'avant-guerre. Les croulants sont aussi dans le coup. Johnny,
Paris, Paris, Paris.